Patrick Bruel et Amanda Sturz, qui s'étaient dit oui le 21 septembre 2004 avant de finalement divorcer en 2007, se sont croisés ce jeudi 1er décembre à Paris, à la Galerie 75 Faubourg, où l'écrivaine, scénariste mais aussi réalisatrice organisait un vernissage pour son exposition le lendemain, Tout a changé, dédié à la photographie. On y trouve notamment des photos en noir et blanc de personnes a priori inconnues, associées à des morceaux de texte. De brocantes envies de grenier, au fil des années, j'ai recueilli, en photo, notes de la rédaction, dans mon monde fantasque, des enfants, des familles, des couples qui se mariaient, d'autres qui avaient du mal à faire semblant devant l'objectif. J'ai pris les faibles indices, les dates au dos des photos, des prénoms, le lieu et j'ai inventé des histoires à ces gens dans ce que j'imaginais être leur langue, a-t-elle notamment déclaré afin d'expliquer son projet.